Chers amis, bonsoir à tous et à toutes pour ce dernier rendez-vous de la saison. Je dis de la saison, comme ça laisse présager qu'il y aura d'autres saisons et d'autres rendez-vous. C'est avec beaucoup d'émotion que nous allons nous rencontrer aujourd'hui et écouter les témoins. C'est avec beaucoup d'émotion aussi que je parle. Parce que je vais bientôt partir du DEFAP et prendre ma retraite dans 10 jours à peu près maintenant. C'est donc un moment important et je vais vous dire ma joie d'avoir partagé avec vous tout ce temps, tous ces rendez-vous là depuis le 10 avril, puisque nous avons commencé le 10 avril par une conférence inaugurale du professeur Jean-François Zorn, qui a donné sa deuxième conférence 15 jours après, sur la mission, une histoire, un mot. Ensuite, nous avons parlé d'universalisme, nous avons parlé aussi d'humanisme et d'individualisme, et notre dernière rencontre avec Benjamin Simon, du Conseil œcuménique des Églises de Beausset, s'était intéressé donc à la relation interculturelle, la mission, un mot interculturel. Mais en fait, on n'avait pas attendu cette conférence pour parler d'interculturalité, puisque quand on parle d'universalisme, on parle des cultures, on parle de rencontres, et bien sûr, c'était le fil rouge de toutes ces rencontres. Juste un petit rappel, nous avons initié ces rencontres en visioconférence parce que nous n'avons pas pu tenir notre forum prévu l'année dernière en 2020, puis en 2021. Et finalement, nous nous réjouissons d'avoir pu avoir ces rencontres et puis que ça ait, finalement ce système de Zoom nous a permis d'être nombreux et de se rejoindre les uns les autres d'un peu partout. Donc ça, c'était formidable. En général, nous avons été plutôt vers 100 participants pour les conférences du professeur Jean-François Zorn, puis 80, 70, en gros 60, 70, 80 pour les autres. Un petit écho alors de la rencontre de la dernière fois, c'était la mission un mot interculturel pour une pluralité d'approches. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez là, nous avons parlé de ce que signifiait le mot culture, ce qu'il pouvait signifier dans différents contextes pour différentes personnes. Nous avons parlé aussi de la culture religieuse. Nous avons plaidé avec Benjamin Simon pour une théologie de l'invitation et pour une herméneutique de la différence qu'il avait opposée à une herméneutique de la fusion. L'idée n'étant pas que nous devions tous être les mêmes, mais que nous devions apprendre justement à connaître et à aimer nos différences. Et puis, nous avons parlé, enfin je vais peut-être plus personnellement parler d'une charte en nous invitant tous finalement à peut-être à co-construire cette charte pour les relations et le dialogue interculturel. Mais ça, c'est un chantier qui reviendra peut-être à l'avenir de voir se réaliser. Je vous rappelle les questions qui avaient été posées. Donc, nous étions retournés aussi dans cette conférence à la constatation d'un commencement pluriel avec Abraham, bénédiction pour toutes les nations, avec Jésus faisant des tas de rencontres avec des gens de cultures différentes dans l'Évangile, et également avec l'apôtre Paul parcourant la Méditerranée, les pourtours de la Méditerranée, et appelant les églises justement à trouver l'union dans la diversité. Alors, les questions qui avaient été posées la dernière fois, donc c'était justement pour tenir compte de nos réalités interculturelles ou multiculturelles, il y avait 3 questions. Jusqu'à quel point acceptons-nous de reconnaître le caractère relatif de nos expressions culturelles ? Même lorsqu'il s'agit du culte et des rites religieux, pouvons-nous distinguer ce qui relève de la foi en Dieu et en Jésus-Christ et ce qui tient à nos façons de les exprimer? Pouvions-nous, la deuxième question, susciter des rencontres à l'intérieur de nos communautés et entre nos différentes communautés pour échanger
des récits de vie, des témoignages de foi, des questionnements sur les thèmes importants de l'existence, des interprétations bibliques, des projets de mission et de témoignages communs. Et enfin, sommes-nous prêts à construire ensemble, à destination de nos diverses églises et communautés, des espaces de rencontre et de formation interculturelle? C'était donc les questions qui avaient été posées au groupe. Et ma foi, il y a eu une grande richesse d'échanges. Alors, plutôt que de faire une synthèse, j'ai relevé des paroles venues des ateliers qui me semblent en fait avoir été prononcées d'une manière ou d'une autre dans les différents ateliers. Déjà, le tout témoignant, si vous voulez, à la fois des joies, mais aussi des difficultés, quelquefois des relations entre personnes de cultures différentes. Mais joie et difficulté, nécessité hein, et richesse, puisque dans un groupe, on a bien rappelé que la rencontre des autres est une demande de Jésus lui-même, et en nous appuyant sur le fait que Jésus, donc dans les évangiles, envoie ses disciples en mission, et qu'à la fin de l'évangile de Matthieu, il les envoie pour enseigner tout ce qu'il a commandé, donc vers les nations de la terre entière. Voilà, donc il y a vraiment un ordre de mission et donc une fidélité à s'inscrire finalement dans ce projet et cette dynamique. Constatation a été faite par beaucoup qu'il n'y a pas de foi sans expression de la foi, à moins qu'elle soit vraiment intériorisée. À la limite, on pourrait dire que c'est presque aussi une culture de l'intériorité que nous connaissons bien d'ailleurs chez les réformés français. Il n'y a pas de foi sans expression de la foi. Et donc sans culture. Si on grandit en milieu fermé, les deux risquent d'être collés l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'on prend facilement, si vous voulez, l'expression de la foi pour la foi elle-même. Mais dès lors qu'on s'ouvre aux autres, à d'autres qui sont différents, on découvre d'autres manières d'exprimer la même foi, et ma foi, en général, ça a été vu plutôt comme une richesse et une chance que cette possibilité de rencontrer les autres. Néanmoins, certains ont tenu à dire qu'il fallait tenir compte de la sensibilité des différentes personnes, parce que nous avons tous certes une culture, une éducation, une histoire, mais aussi une psychologie, un caractère, une personnalité. Et pour certaines personnes, la rencontre est plus difficile. Il y a des personnes, si vous voulez, qui se sentent plus menacées par la différence. Voilà, donc c'était... ça a été noté. Alors, ce qui a été dit également, c'est que pour rencontrer les autres, il est important de savoir qui l'on est. Alors, d'une certaine façon, c'est une chance, ceci, parce que, et on le voit dans tous les lieux où il y a des rencontres, que ce soit des rencontres avec des gens d'autres cultures ou avec d'autres religions, le fait d'aller à la rencontre oblige préalablement, finalement, à approfondir sa propre foi et sa propre identité. Mais il a été remarqué ceci aussi, que c'est souvent à travers la rencontre des autres et les échanges avec des personnes différentes que l'on apprend vraiment qui l'on est. Donc vous voyez, il y a comme un mouvement dialectique finalement. Donc cette confiance dans la rencontre permet finalement de réaliser qui l'on est soi-même en profondeur. Et c'est vrai que parmi les envoyés, les jeunes envoyés du DEFAP, très souvent, il y a des témoignages qui vont dans ce sens, c'est-à-dire que c'est en partant en mission dans un autre pays que l'on découvre sa vocation profonde, sa vocation personnelle. Voici d'autres paroles venues des groupes. Ce que nous avons en commun est plus fort ou devrait l'être que ce qui nous différencie. Et ça, je crois que c'est important de toujours le rappeler, parce qu'à force de parler de relations entre personnes de différentes cultures, on pourrait oublier qu'il y a avant tout une fraternité, une amitié Jésus-Christ. Et donc, ce que nous avons en commun est plus fort ou devrait l'être que ce qui nous différencie, c'est Jésus-Christ, mais c'est également que nous sommes tous des êtres humains citoyens du monde, ce monde qui est la création de Dieu. Voici, alors, d'autres... alors, c'était intéressant aussi de dire que par rapport à la rencontre avec d'autres cultures,
On n'est pas forcément tous à égalité parce que quelquefois on vit dans des régions plus fermées ou plus homogènes. Et alors un contre-exemple était donné par le Cameroun où quelqu'un ou plusieurs même je crois ont rappelé que le pluralisme culturel au Cameroun et le pluralisme des langues, on le sait, est une réalité quotidienne. Donc cette nécessité en fait d'entrer en relation avec des cultures différentes, des langues différentes est évidemment une obligation finalement. Alors, quant à la pratique, plusieurs remarques ont été faites, témoignant de joie et parfois de difficultés. Certains ont reconnu que ce n'était pas toujours simple de préparer un culte ensemble, par exemple, quand la communauté est composée de personnes très différentes, que ces différences soient culturelles, ecclésiales ou confessionnelles. Et on sait que en fait, ces difficultés, elles ne sont pas forcément avec des personnes d'autres cultures, parce qu'on voit quelquefois entre des générations, on trouve aussi ces difficultés dans les communautés, et notamment à travers les petites guerres de cantiques ou de recueil de cantiques, les uns préférant louange et prière, les autres préférant arc-en-ciel ou alléluia. Bon, j'en passe et des meilleurs. Je voulais encore dire que néanmoins, il y a des exemples de communautés différentes partageant le même lieu de culte où des célébrations communes sont régulièrement organisées pour la joie de tous. Et là, c'était Simon, je ne sais pas si Simon est avec nous ce soir, Simon Assoba, qui parlait notamment des trois communautés qui sont à Paris-Plaisance et qui régulièrement organisent des cultes. Donc, il y a les QDF, il y a les deux communautés qui organisent des cultes ensemble de temps en temps, pas tous les dimanches, mais de temps en temps, avec un tour parmi les prédicateurs. Une fois, c'est celui-là, celui ou celle d'une église, l'autre fois le deuxième, et l'autre fois la troisième. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, je crois. C'est ce que j'ai retenu, en fait. De ces ateliers. Voilà ce qui est revenu, ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas c'était un encouragement donc, aux rencontres entre personnes de cultures différentes et puis à la formation. Alors je terminerai en disant que, oui, ce qui est par rapport à la proposition d'organiser des rencontres, ça semblait tout à fait bienvenu et positif. Et notamment, dans un groupe, on a parlé de rencontres interculturelles entre jeunes et avec un exemple qui s'était passé au Congo à travers un camp de jeunes. Mais il était précisé qu'il était très important de bien accompagner les jeunes car pour certains, le choc est grand. Je crois que la question de l'accompagnement est très importante dans les relations interculturelles. Et ce serait intéressant d'avoir des rencontres entre communautés ou groupes de personnes, mais en favorisant vraiment la parole, le témoignage, l'échange sur des questions de vie et de foi. Donc, il faut bien organiser ces rencontres et surtout que les groupes ne soient pas trop grands, parce que pour parler, il faut se sentir en confiance. Alors, je crois que dans ces relations interculturelles, la question de partager des récits et des témoignages est quelque chose de fondamental. Voilà, autrement, on fait confiance au DEFAP pour organiser des formations à l'accueil, comme il l'organise à l'envoi et à l'arrivée aussi. Voilà, je vois ce que je voulais dire. J'espère ne pas avoir trop débordé. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue. Le ou la pasteur Pascal Renaud Grosbras, donc qui va prendre ma suite à ce poste que j'ai occupé pendant 6 ans et qui maintenant va animer ce temps de témoignage. Je vous remercie. Merci beaucoup Florence pour ce retour. Et donc ce soir, effectivement, on va entendre 3 témoignages de 3 envoyés. 2 personnes qui sont parties de France pour aller à l'extérieur, une personne qui est venue en France, et puis voir comment se vit cette expérience de l'interculturalité, qu'est-ce que ça éveille pour les personnes qui sont envoyées comme ça, ces rencontres.
Donc trois personnes ce soir, Salomé Fels, Laurent Loubassou et Philippe Généra qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Ces témoignages ont été recueillis par Hélène Ouvry, qui a travaillé et qui travaille encore sur le cinquantenaire du DEFAP et qui donc a recueilli 50 témoignages que vous pouvez retrouver sur le site. N'hésitez pas, les témoignages des trois personnes qu'on entendra ce soir, mais aussi 47 autres que cela. Donc, comment on se laisse rencontrer par une culture qui n'est pas la nôtre? Quand un envoyé part, qu'est-ce qui se passe pour lui ou elle? Comment c'est vécu? Qu'est-ce que ça éveille? Quel changement ça provoque? On va soulever ces questions ce soir ensemble. Et j'ai d'abord la joie d'accueillir Salomé Fels. Je vais vous présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Bonsoir Salomé. Vous êtes française, vous êtes normande, vous êtes ergothérapeute, vous avez pratiqué en France et vous avez été envoyée au Congo-Brazzaville en 2017 dans le département santé de l'Église évangélique du Congo. Vous êtes ensuite rentrée et repartie et vous êtes à nouveau à Brazzaville maintenant. Vous êtes enseignante à l'école française de Brazzaville. Voilà, donc on va écouter très simplement ce que vous avez préparé pour nous parler de votre expérience de la mission. Donc bonjour à tous, je suis très très heureuse de participer à cet atelier et de revenir comme ça un peu de loin, mais au DEFAP via ce Zoom, parce que c'est une belle maison, un beau lieu de passage et voilà, bref. Donc en effet, je suis partie en 2017 au Congo-Brazzaville avec trois autres, on était trois à être envoyés. En fait, l'ordre de mission, si on peut dire, enfin notre service civique, c'était un appui à un projet de santé communautaire, donc qui est un peu, enfin qui est vaste, et donc du coup, dans lequel on a pu créer avec notre personnalité, avec notre bagage de notre profession, avec voilà notre savoir-faire, notre savoir-être, enfin bref, et du coup, c'est à travers la rencontre qu'on a pu construire ensemble avec l'Église évangélique du Congo et le pasteur Kinanga notamment, qui était notre référent sur place. Et donc, ça a vraiment été une grande joie de pouvoir créer ensemble cette mission et cette année de service civique à Brazzaville. Donc moi, j'intervenais à trois endroits. Au sein d'un département santé, au sein d'un centre de santé en tant qu'ergothérapeute, dans un centre de rééducation aussi avec des kinésithérapeutes, et aussi je reprenais un projet qui avait été initié par les volontaires qui étaient présentes à Brazzaville avant moi, au niveau de la gestion d'un dépôt pharmaceutique qui en fait gère un stock de médicaments et les envoie aux différents centres de santé intégrés de l'Église évangélique aux quatre coins du Congo. Donc c'est vrai que d'arriver dans un pays comme ça, ça faisait déjà un moment que je mûrissais ce projet de pouvoir partir pour, comme le disait Florence un petit peu aussi, pour, je m'en suis rendu compte après, mais en fait ça m'a aidé à me construire, en tout cas de pouvoir partir et de rencontrer une culture différente, des gens, des belles personnes, et aussi, et donc c'est vrai que c'était comment dirais-je, d'avoir ce bagage, d'avoir mon diplôme d'ergothérapeute en poche et de partir, c'était rassurant en fait pour moi, je pense. Mais c'est vrai qu'en fait, sur place, j'ai appris en fait à aussi ne pas se contenter de ce qu'on a, mais aussi pouvoir être polyvalent, parce que c'est vrai que la plupart des gens ici sont autodidactes, que ce soit dans la musique, que ce soit dans leur métier, mais voilà, se contentent pas de ce qu'ils ont. Alors c'est vrai que pour moi c'était rassurant au début, mais c'est vrai que le fait de voilà enfin, en tout cas, ils m'ont incité, voilà, à pouvoir faire autre chose que de l'ergothérapie aussi, et puis
voilà, à travers les rencontres, les échanges, à pouvoir ce que ça puisse apporter aux personnes qui participaient à cet échange. Ce que la mission a pu m'apporter, déjà, ça m'a beaucoup apporté humainement de pouvoir rencontrer tous ces gens. Et c'est vrai que quand j'ai terminé mon service civique à la fin de mon année, je me suis rendu compte que j'avais l'impression, en tout cas, d'avoir beaucoup plus reçu que ce que j'avais pu donner. Mais après, c'est vrai qu'on dit que pour recevoir, il faut donner. Donc, j'ai sans doute dû donner aussi. Mais voilà, c'était très riche. Ce que je retiendrai un petit peu de cette mission, mais en fait, actuellement, je suis toujours au Congo et je crois que je suis tombée un peu amoureuse de cette culture et du Congo. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir m'investir d'une autre manière, parce que c'est vrai que actuellement, donc, je suis enseignante dans un lycée français où, quand j'étais volontaire en service civique, quand je passais devant, il y avait toujours des gros 4x4, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une population, enfin, c'est des gens assez privilégiés qui ont les moyens de pouvoir mettre leurs enfants dans l'école, parce que ça coûte assez cher. Et je me souviens que quand je passais, je me disais, non, non, je ne mettrai jamais les pieds ici, et me voilà avec les deux pieds bien enfoncés. Mais voilà, mais ça aussi, ça m'a permis de dépasser aussi cette idée de penser qu'en fait, à l'intérieur, il n'y avait que des expats ou alors des gens qui pour moi, j'avais l'impression qu'ils vivaient à côté du Congo et de ce que pouvaient vivre les Congolais, en fait, et très vite, en fait. Mais pour moi, c'était un peu comme une évidence je me suis sentie très à l'aise et je me suis sentie être moi-même avec les Congolais, en fait, avec tous les gens qui m'entouraient. Donc, c'est vrai que j'étais plus à l'aise qu'avec d'autres volontaires. Excusez-moi, il y a la sonnerie du lycée. Et donc, ce que je retiendrai un peu de cette mission et de ces années au Congo, c'est il faut qu'on laisse dans notre vie une place à l'imprévu, en fait, parce que je trouve ça... Pardon. En fait... Enfin, c'est vrai que il faut laisser comme ça une place à l'imprévu, à des choses inattendues, en fait, qui nous surprennent dans notre quotidien. Je trouve que c'est riche et c'est ça qui nous fait vivre. Pardon, je suis trop émotive, en fait, des fois. Pardon. Salomé, je me permets juste d'intervenir. Quand on s'est parlé cette semaine, hein, pour préparer ce soir, vous m'avez dit quelque chose qui m'a beaucoup frappée. On se rencontre avec sa culture, on n'est pas fait pour vivre tout seul, mais on se rencontre avec sa culture. Et les choses qui nous semblaient innées, naturelles, en fait sont quelque chose qui relève de la culture. Et vous m'avez parlé d'une rencontre avec votre voisine, avec qui vous avez pu très vite nouer des liens qui ont été vraiment importants pour vous permettre de trouver votre place, en fait. Oui, tout à fait. En effet, c'est vrai que j'ai rencontré Nadine, enfin maman Nadine, parce que je me perds un peu dans mes idées. En effet, j'ai rencontré maman Nadine, qui était ma voisine et avec qui les relations se sont tissées assez rapidement. Et en effet, je vous disais que c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un qui a une culture différente, pardon. Au début, il y a des petits malentendus qui prennent des proportions plus ou moins importantes. Mais en tout cas, voilà, je me souviens que, donc, en effet, au début, quand j'avais rencontré maman Nadine, en fait, ici, on n'appelle pas une personne par son prénom, mais on met soit Yaya ou maman ou papa devant, en signe de, comment on peut dire, de reconnaissance de l'âge de la personne, en tout cas de l'écart d'âge qu'il peut y avoir, et donc voilà. C'est vrai qu'au début, voilà, je l'avais appelée par son prénom, etc. Et après, elle m'avait expliqué, du coup, voilà. Donc, c'est plein de petites choses comme ça aussi. Et donc, c'est vrai que
c'est des fois par des petits malentendus que voilà, on apprend à, on comprend un peu la manière de voir les choses à travers les yeux de l'autre, en fait. Mais je voulais juste revenir sur l'histoire de l'imprévu. Et c'est vrai que je trouve ça important, en fait, de pouvoir être surpris de temps en temps et de laisser cette place à l'imprévu. Et c'est vrai que la première année où j'étais là, en fait, mon père m'avait envoyé un livre de Marion Muller-Collard qui s'appelle L'intranquillité. Je voulais juste vous lire un petit passage qui pour moi fait un écho un peu à ce que je voulais dire, mais. La voie de l'intranquillité s'est imposée à moi par la force des choses, par la force crue de la vie qui ne prévient de rien et qui exige de nous que nous épousions à chaque instant la courbe indéchiffrable de son imprévisibilité. Et voilà, je trouvais que ces mots résumaient un peu l'idée que j'avais, voilà, et je pense que c'est important aussi de laisser une place comme ça à l'imprévu pour justement pouvoir être rencontré, en fait, et pouvoir se laisser rencontrer et pouvoir être rencontrer. Vous me disiez aussi que vous étiez partie avec votre métier, hein, en tant qu'ergothérapeute. Assez vite, c'était à la fois une sécurité et un enfermement parce que c'était votre fonction et ça vous empêchait d'une certaine façon de prendre le risque de l'imprévu, d'aller ailleurs que là où vous étiez attendu. C'est vrai. Au début, ça faisait un peu. C'est vrai que c'était un peu stressant parce que du coup, dans un des centres de santé où j'intervenais, en fait, donc pas dans le centre de rééducation, mais là où j'étais la seule, hormis le corps médical, où il y avait des infirmiers, des sages-femmes, des médecins, etc. C'est vrai que du coup, il y avait le pasteur avait fait une annonce lors du culte où il y avait énormément de gens et du coup, en disant que voilà, il y avait une volontaire qui arrivait et qui faisait de l'ergothérapie et comment en fait enfin disons que la profession d'ergothérapeute je dirais pas elle existe pas mais disons qu'il n'y a pas une école de formation, il n'y a pas un diplôme reconnu mais en fait d'autres professionnels en fait le font aussi et donc du coup on m'avait présenté un peu plus comme une kinésithérapeute et donc du coup je me souviens de ce premier jour où il y avait un monde fou qui était arrivé et où on m'avait demandé du coup de masser les gens et j'avais l'impression d'être une charlatan parce que je me disais je les masse mais je leur fais peut-être plus un massage en douceur que quelque chose d'autre et je voulais pas faire autre chose parce que je voulais pas les casser parce que je savais pas trop enfin c'était pas je savais pas quoi comment faire quoi donc c'est vrai que c'était un peu déroutant mais Déroutant, mais la rencontre avec une autre c'est culture, vrai. c'est déroutant. Oui, c'est vrai. Oui. Je vous propose qu'on voit si quelqu'un veut poser une question. Alors, la méthode pour ce soir, c'est que si vous avez une question ou envie de rebondir sur quelque chose, d'interpeller Salomé, vous utilisez le chat. On va le surveiller et puis on prendra au vol. Voilà, et on relaiera ça à Salomé. En attendant qu'il y ait déjà quelqu'un qui mette quelque chose, j'aimerais revenir sur une expression que j'ai beaucoup aimée quand on en a parlé, c'était commencer chez toi. La rencontre, ça passe aussi par la question de ben, comment tu vis toi. C'est vrai. Je me suis même pas rendu compte que j'avais dit ça. Mais. Et c'est vrai que je me rends compte que j'ai de plus en plus de tournures de phrases ou de manières de, enfin d'expressions ou de mots qui peuvent être utilisés ici, en fait. Excuse-moi, je me souviens plus de ce que tu me demandais. C'était pas vraiment, vraiment une Ah, question. d'accord. Cette formule commençait chez toi, Oui. qui me semble importante en fait, qui veut dire chez moi c'est d'une certaine façon, chez toi c'est autrement, on discute et on voit ce qui se passe. Et après, ça peut devenir aussi chez nous, quoi. Enfin, ça, C'est ça. on trouve. Oui, d'ailleurs, je repense à ça, mais quand je disais que c'est vrai que ça m'a. Moi, je trouve que voilà, le fait de partir en mission, ça m'a aidé à me construire parce que justement,
Je trouve que le fait de rencontrer quelqu'un, ça nous permet aussi de questionner, de construire ou de déconstruire en fait des certitudes que notre éducation, que la société dans laquelle on a grandi, en fait, nous ont un peu inculquées et qui pour nous en fait étaient un peu des piliers, en tout cas des bases, des choses qui nous ont construits. Et en fait, je trouve que de rencontrer l'autre, on se dit, mais en fait, pourquoi moi j'ai toujours pensé que c'était comme ça et pourquoi en fait ça serait pas autrement. Et c'est vrai qu'avec Moulek, mon conjoint, en fait, qui lui est Ngunza, donc en fait, c'est une autre, enfin, une religion traditionnelle ici, où en fait, donc Ngu en Lari, ça veut dire la, si je me trompe pas, hein, c'est la nature, et Nza, c'est la force, et donc c'est en fait, voilà, une religion qui, comment dirais-je? Qui a une autre, enfin qui a une conception du monde à sa manière, qui et en fait donc c'est vrai que j'ai pu l'accompagner plusieurs fois à des temps de prière et je trouvais que il y avait cette richesse de voilà d'un enseignement un peu, enfin pas un enseignement mais en tout cas un échange spirituel des voilà des une sorte de méditation, en tout cas des discussions, des faire écho entre le quotidien et puis des textes et des choses comme ça. Mais il y avait aussi des temps où des gens rentraient en transe, où il y avait des choses comme ça. Et c'est vrai que je me souviens qu'en arrivant, avant d'arriver au Congo, en fait, les transes ou les guérisons traditionnelles, en fait, pour moi, c'était pas concevable en fait, ça je sais pas pourquoi voilà j'avais cette idée que ça existait pas forcément, que c'était pas forcément concevable. Et en fait en arrivant ici, en rencontrant les gens, leur manière de voir les choses, etc., et ben en fait maintenant je sais que ça existe. Je saurais pas dire vraiment si j'y crois, mais en tout cas voilà, ça prend une tournure différente en fait. Ça voilà, c'était ça déconstruit des choses et ça nous questionne sur d'autres, ça nous fait évoluer en fait aussi dans notre manière de Ça penser. permet d'avoir accès à autre chose. Oui. Merci, Alors, on Sarah. commence à avoir des questions qui arrivent sur le chat. Alors, déjà, une, comment se vit la vie en paroisse? Alors, c'est vrai que quand je suis arrivée, on a été plusieurs fois au culte avec les autres volontaires. En fait, moi, je viens d'une paroisse protestante, mais c'est vrai que les deux autres volontaires n'avaient pas de confession religieuse particulière. Et donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller au culte, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai, et c'est peut-être pour ça aussi que j'étais un peu rencontrée cette autre religion. Gunza, parce que je m'y retrouvais, j'appréciais beaucoup et je suis même souvent, j'aime beaucoup les temps de chant et de dans les temps de culte parce que c'est très très vivant. Mais c'est vrai que je m'y retrouve un peu moins dans les temps de prédication où je trouvais ça un peu moraliste ou en tout cas c'était pas ce que moi je voulais je venais chercher en fait pour enrichir ma foi en fait. Mais après ça c'est personnel en fait, et je comprends tout à fait que d'autres personnes s'y retrouvent ou pas. Et en tout cas voilà, c'est les temps de chant sont très très forts en tout Alors, il y a une autre question qui porte spécifiquement sur l'expérience du volontariat. Une personne qui me dit que c'est une expérience formidable de décentrement et en même temps de construction d'identité. Et la question, c'est comment en faire la promotion? Comment en faire la promotion? Moi, je ne serais pas trop à l'aise pour faire la promotion, mais j'ai beaucoup de plaisir à témoigner, à parler de ça. Mais après, je veux dire, c'est quelque chose de personnel, en fait. Je pense qu'on... Moi, je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai senti qu'à un moment, j'étais appelée à, voilà, à aller autre part, en fait, à partir à la découverte. Et je pense que c'est un peu chacun qui peut le ressentir au fond de soi. Après, c'est vrai que c'est pas,
C'est pas très facile en fait de. Moi, je me souviens quand je cherchais un peu des organismes pour partir, etc. Bon, après, via Eileen, je m'étais, enfin, elle m'avait parlé du DFAP et tout ça, mais c'est vrai que sinon, c'est pas simple, je trouve, de trouver des services civiques ou des volontariats qui peuvent. Enfin, je trouve que c'est pas très accessible quand même sur Internet. Enfin, en tout cas, quand moi je partais, donc c'est il y a 5 ans, peut-être que ça a peut-être évolué depuis. Je vois que le pasteur Samé demande la parole aussi. Est-ce que vous voulez remettre votre micro? On vous écoute. Et après, on va tâcher d'avancer un petit peu. Hein. Mais... Oui, merci. Je peux? Allez-y. Oui, je voudrais apporter une précision par rapport à l'appellation dont elle a fait allusion tout à l'heure. Le fait de ne pas prononcer les noms comme ça, c'est que la tradition bantoue africaine, c'est que on perpétue les noms des ancêtres. Si bien que c'est pour ça que nous avons toujours deux noms, le patronyme est derrière, un nom devant. Donc, vous pouvez être un homme ou une femme, vous portez le nom soit d'une grand-mère ou un arrière-grand-père qu'on n'appelle pas, quoi, et on met les mots yaya, ce qui concerne, veut dire par exemple, mère ou grand-mère. Voilà. Et c'est ce que je voudrais apporter comme précision. La deuxième, elle a parlé de la religion tout à l'heure. Il y a la religion traditionnelle. Malheureusement, il y en a qui croient que la religion traditionnelle, c'est toujours l'effet maléfique sorcellerie. Non. Chez nous, il y a ce qu'on appelle Nyambe, Nyambe-Weke, Dieu. Donc, avant même l'arrivée des missionnaires, on ne savait pas qu'il y a un livre qui s'appelle la Bible ou alors que Dieu a un fils, mais nous savions que Dieu est dans le ciel, il intervient et c'est ça qu'on appelle la force de la nature. Donc, Tout à fait. chaque dialecte peut renommer ce Dieu d'une manière. Et c'était même formidable de trouver que chez nous, on parlait de Yahweh avant même l'arrivée de Joseph Méry, Alfred Sackler et Jackson Tuller. Donc, le nom qu'on trouve dans la Bible. Donc, c'est cette précision que je voudrais apporter. Je laisse d'abord la place à aux autres. Merci beaucoup. Je me permets aussi de rajouter, il y a une petite question, une autre question qui vient d'arriver sur est-ce que la vie est aussi agréable en dehors des lieux bien repérés comme la paroisse ou le travail? Est-ce qu'en dehors aussi... Ah oui, tout à fait, oui. C'est en plus, c'est vrai que de par la température et tout est ouvert en fait. La vie est beaucoup à l'extérieur en fait, donc il y a beaucoup de vie partout en fait. Et ça c'est génial. Et j'avais des amis du coup d'ailleurs qui trouvaient ça froid des fois de rentrer en Europe et de plus avoir voilà cette vie dans la ruelle et où on sort, on voit toujours tout de suite quelqu'un et on discute voilà de tout et de rien. Enfin, Salomé, je vous propose qu'on reste sur cette chaleur. Merci beaucoup. Merci Pascal. Vraiment pour Merci votre témoignage et puis vos réponses à ces questions. C'était vraiment un plaisir de faire votre connaissance. Et puis, Merci. jusqu'à la fin, on pourra peut-être continuer à discuter un petit peu après, si vous voulez. OK. Je vous propose qu'on entende maintenant un autre témoignage. Le témoignage du pasteur Laurent Loubassou. Est-ce que je vous vois? Je ne vous vois pas sur mon écran. Est-ce que vous voudriez bien remettre votre micro, s'il vous plaît? Bonsoir, bonsoir Pascal. Bonsoir Laurent. Bon, Alors, en tout cas, je me permets de vous présenter en quelques mots. oui, Vous merci. êtes pasteur de l'Église évangélique du Congo, encore. Et vous avez fait la connaissance avec le DFAP en 2003 à l'occasion de la création d'un DEA décentralisé pour permettre l'éducation de doctorants dans l'université dont vous faisiez partie. Et vous êtes vous-même venu en 2005 dans le cadre de votre thèse de doctorat que vous avez faite à Paris en Ancien Testament. Je vous laisse la parole, on vous écoute. Bien, en tout cas, bonsoir.
Et ça me fait vraiment plaisir de prendre la parole ce soir à l'occasion de ces jeudis de mission. Merci au DFAP de m'avoir offert cette occasion. J'ai déjà été présenté, donc je vais rapidement dire ce que je peux dire en tant que témoignage. Je considère tous mes voyages en France comme des expériences de mission qui m'enrichissent beaucoup sur plusieurs plans. Je suis venu en France pour la première fois en 2005, en septembre 2005, pour un séjour de recherche doctorale à la faculté de théologie protestante de Paris. Et ce séjour fut initié par le pasteur Bernard Coyot et financé par le DFAP. Je me permets de profiter de ce moment pour remercier le pasteur Bernard Coyot et toute l'équipe du DFAP de l'époque. Le bon accueil que le DFAP m'a offert dès mon premier voyage a joué un grand rôle dans mon intégration dans l'environnement français. La rencontre avec le DFAP, c'est aussi celle avec plusieurs autres amis de diverses origines. Je considère le DFAP comme un vrai Mbongi. Dans la culture Congo, du Congo-Brazzaville, le Mbongi est un lieu de rencontre de plusieurs familles, traditionnellement autour d'un feu, pour échanger sur diverses questions de la société, manger ensemble, mais en respectant les différences. En tant que lieu de rencontre des boursiers d'origines diverses, le DFAP est, dans le jargon congolais, un vrai Mbongi qui favorise l'interculturalité. Bon nombre de mes amitiés avec des collègues des facultés de théologie d'Afrique ont commencé au DFAP. Celui-ci avait l'habitude d'organiser pendant un week-end une rencontre annuelle de tous ses boursiers en séjour en France. C'est dire que le DFAP favorise le nouement, mais également le renforcement des relations entre les institutions de formation théologique d'Afrique. C'est un vrai lieu de rencontre. Pendant mon premier séjour en France, j'ai bénéficié de l'encadrement du professeur Jean-Marcel Vincent, sans oublier l'apport d'autres professeurs comme Françoise Smith, Philippe Abadi et Thomas Romer. Ma recherche portait sur la pertinence du récit chroniste de la réforme de José Asselin, 2 Chroniques 34. En dehors du bénéfice au plan académique, mes missions en France ont été et demeurent de vraies rencontres avec d'autres variantes d'expression de la foi chrétienne. C'est un véritable enrichissement dans le cadre de la théologie pratique. En juillet et août 2006, j'ai bénéficié, toujours grâce au DFAP, d'une suffragance à la paroisse RF Saint-Éloi de Rouen, le pasteur Bernard Antérian étant en vacances. Je garde un bon souvenir de la bonne ambiance avec Odile Sampité, présidente du conseil presbytéral, et les autres membres de ce conseil. C'était une bonne occasion d'échange, aussi bien avec le conseil presbytéral qu'avec les chrétiens de cette paroisse. Un véritable enrichissement pour moi, dans le cadre de mon expérience, pastorale. Cette bonne ambiance, je l'ai aussi vécue en 2012 à la paroisse EREF d'Enghien-les-Bains avec Arlette Sansery et les autres membres du conseil presbytéral de cette paroisse. À partir de cette expérience, cette paroisse m'offre souvent un logement lorsque je suis en séjour en France. C'est ici l'occasion pour moi d'exprimer ma gratitude au pasteur Marc-Henri Vidal et à tous les paroissiens
de l'Église protestante unie d'Enghien-les-Bains. Le DEFAP a aussi facilité la convention que notre faculté a signée avec la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Cette convention prévoit l'échange des enseignants et des étudiants. C'est dans ce cadre que les professeurs Rémi Gounel, Marc Vidal et Thierry Legrand de la faculté de théologie de Strasbourg sont déjà venus à Brazzaville pour un séjour d'enseignement. Mon collègue Alphonse Loussakou et moi-même avons aussi, comme enseignants de la FTPB, bénéficié d'un séjour d'enseignement à Strasbourg. À cette occasion, j'ai eu la possibilité d'échanger avec beaucoup de collègues de cette institution. Tous ces déplacements ont été à la charge du DEFAP, grâce à la bonne volonté du pasteur Jean-Luc Blanc, que je remercie. Je formule le vœu que le DEFAP continue de favoriser ce genre d'échange qui permet de faire l'expérience de l'interculturalité. La rencontre avec le DEFAP m'a apporté et m'apporte encore beaucoup de choses. Je garderai de bons souvenirs de mes amitiés avec Jean-Luc Blanc, Christian Bonnet, Elisabeth Marchand et bien d'autres. Je garde aussi de bons souvenirs du bon accueil que Pascal Audeau me réservait lors de mes séjours en France, initiés ou non par le DEFAP. Cette tradition de l'hospitalité que je constate au DEFAP demeure. C'est ici l'occasion de remercier les animateurs actuels comme Joël Dotville, le président, Basile Zuma, secrétaire général, Tunde Lamboley, Florence, et tous les autres. Grâce au DEFAP, j'ai rencontré d'autres amis, parmi lesquels Claude Batti, Mireille Boissonnat, Cathy Badi, de l'Église évangélique libre. Et puis aussi des amis comme Danny Noquet, Elian Cuvillier, Rémi Gounel, Johan Charas, Célestin Kiki, Samuel Johnson et que sais-je encore. Concernant la culture française, plusieurs choses m'ont marqué et continuent de me marquer. Je ne saurais en dire long. Je suis émerveillé par la richesse des bibliothèques, des musées, par la place qu'occupent la femme et les enfants dans la société française. En revanche, la première année de mon premier séjour en France, j'ai eu le sentiment que les enfants jouissaient de trop de liberté. Je me posais la question de savoir si cela n'entraînait pas une crise d'autorité chez les parents. Pour terminer, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, la mission pour moi, c'est vraiment une occasion de rencontre, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de gens. Nous l'avons d'ailleurs entendu aujourd'hui. Elle permet de rencontrer les autres. Une rencontre avec d'autres personnes, avec d'autres habitudes, d'autres cultures, d'autres manières de vivre, d'autres manières d'exprimer la foi chrétienne. Cette rencontre est une occasion d'échange, d'interculturalité, donc d'enrichissement. Quand je suis arrivé pour la première fois, justement, j'étais un peu choqué de voir qu'on pouvait appeler un aîné que par son prénom, parce que bon, dans notre culture, il faut quand même respecter les aînés. Mais avec le temps, j'ai compris que bon, c'était une chose qui était culturelle et que je devais intégrer aussi dans ma façon de fonctionner. J'ai aussi noté que l'hospitalité
favorise une bonne ambiance et de bons échanges. Et je dis encore merci au DEFAP, franchement, parce que grâce au DEFAP, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne peux pas développer ce soir en 15 minutes. Je vous remercie. Merci. Laurent, merci beaucoup pour votre témoignage. On en retrouve quelques passages aussi sur le site, les témoignages que vous aviez donnés à Emine. Et je suis très touchée parce que ce que vous avez dit au départ sur le fait que le DEFAP était le lieu de l'échange, le lieu aussi pour manger ensemble. On sait combien les repas sont importants dans la Bible, par exemple, dans le respect des différences. Et que c'est comme ça que peut se vivre l'interculturalité. Est-ce que Franck, tu peux nous dire s'il y a des questions pour Laurent ? Alors, pas exactement des questions pour l'instant, mais une remarque en tout cas sur l'immense reconnaissance de Laurent Loubassou pour l'expérience vécue avec le DEFAP. Voilà, et ces rencontres qui continuent. Oui, c'est vrai que tous ces noms qu'on a entendus, c'est effectivement des gens qui sont importants pour le DEFAP, qu'on rencontre souvent. Merci de nous avoir rappelé ces conditions d'accueil et d'hospitalité. Là aussi, c'est un mot très, très important. Je ne vois pas d'autres questions tout de suite. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le troisième témoignage, ce qui donnera peut-être le temps à des personnes de mettre une question qu'on pourra relayer pour Laurent. Et puis, voilà, qu'on revienne tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. J'ai été heureuse de faire votre connaissance. J'espère qu'on pourra se rencontrer bientôt pour de vrai. Merci, Laurent. Merci, je vous en prie. Alors, est-ce que Philippe est avec nous ? Oui, je suis là. Vous êtes là ? Alors, je ne vous vois pas. Est-ce que vous avez ouvert votre micro ? J'ai ouvert mon micro. Il est tout à la fin, il faut que tu fasses défiler les écrans pour le trouver. Il est là derrière, sur une belle montagne de Madagascar. Voilà, Philippe vient donc de nous rejoindre. Bonsoir, merci beaucoup d'être là avec nous aussi ce soir. Je vais vous présenter en quelques mots et puis on vous écoutera. Vous êtes enseignant, vous avez été envoyé à Madagascar de 1993 à 1995, et puis vous êtes rentré ensuite et vous êtes engagé dans l'église et aussi dans un réseau d'anciens envoyés qui ont travaillé ensemble, et vous nous raconterez peut-être un petit peu ça. Je vais vous laisser parler très très librement. Je voudrais juste vous demander si à un moment vous voudrez bien nous parler du verset biblique qui vous a accompagné dans toute cette aventure et peut-être encore aujourd'hui. Je trouve que c'était très touchant de vous entendre parler de ça. On vous écoute. Merci Pascal. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend bien, merci. Allez-y. Oui, en termes de verset biblique, il m'accompagnait, mais je ne le savais pas à l'époque. Je m'en suis rendu compte au retour. C'est Matthieu 2, 12, qui s'occupe des mages. Et il dit aux mages, c'est pas une bonne idée pour vous de rentrer par le chemin par lequel vous êtes arrivé, parce qu'il y a Hérode qui vous attend au tournant, donc allez voir ailleurs, quoi. Rentrez par un autre chemin. Donc averti en songe, il va repartir par un autre chemin. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Mon témoignage, ça va être un peu une synthèse de ce qu'a dit Salomé et ce qu'a dit le pasteur Loubassou. C'est que, oui, j'ai été appelé à partir par le DEFAP, plus précisément par la Collurium, qui était l'équivalent du DEFAP luthérien à l'époque, et Thomas Wild est là, bonjour Thomas, et c'est le DEFAP qui finalement est un petit peu venu à moi, parce que j'ignorais totalement l'existence de ce machin qui a un nom de médicament, hein, la Collurium, le DEFAP, moi je ne connaissais pas, j'étais un petit peu dans l'église réformée à l'époque, mais à peine, et puis un jour je discutais avec le pasteur Pédézère de Pau, et sa femme nous dit, mais pourquoi il ne partirait pas par le DEFAP, puisque je devais faire mon service national à l'époque, comme tous les jeunes de mon âge.
Et le pasteur lui dit, mais non, mais lui, il veut faire un truc en entreprise, le DFAP, ça ne l'intéresse pas. Je lui dis, attends, c'est quoi le DFAP? Il m'a expliqué et j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai envoyé ma candidature et j'ai eu la chance d'être retenu. Et c'est là que le chemin de transformation a commencé. En fait, mon envoi de 93 à 95 à Madagascar en tant qu'enseignant au collège Machumbaouk, enfin, qui est une école, collège, lycée, que Caroline connaît bien, puisqu'elle est venue juste après moi, et c'était quelques temps après, ouais, après moi. C'était, je crois que tu as vécu des choses très, 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 très intenses aussi. Ce séjour, en fait, c'était une transformation en ce sens que c'est à Madagascar que la Pentecôte m'est tombée dessus, donc j'ai demandé la confirmation de mon baptême. C'est à Madagascar que j'ai découvert autre chose que la France, j'étais jamais vraiment sorti de France. Je suis allé dans une grande ville que vous voyez derrière moi, qui s'appelle Fianarantsoa, et ici c'est la partie de la vieille ville. C'est à Madagascar que j'ai découvert la vie d'église, que je connaissais peu avant de partir de France. Sur cette montagne que vous voyez, il y a combien d'églises, Caroline, je crois 6 ou 7, quelque chose comme ça, dont l'église catholique, la cathédrale que vous voyez sur la gauche. Bref, un concentré d'églises et qui est la vie malgache, en fait. Les malgaches vivent leur foi, qu'elle soit chrétienne, animiste et d'autres, de manière quotidienne, intense. Et donc, je venais d'un pays sécularisé et je tombais dans un pays où la religion, c'est la norme. Et donc, tout ça a fait plein de chemins, plein de rencontres aussi. Et Salomé, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a beaucoup touché. Cette expérience que tu as vécue, que tu vis encore aujourd'hui, ça t'a aidé à te construire en rencontrant. Et ça, toi, tu dis, il faut laisser une place à l'imprévu. Alors, c'est vrai que moi, quand je suis parti là-bas, je suis parti pour enseigner. Pour tout vous dire, j'ai réalisé un rêve d'enfant parce que depuis toujours, je voulais être instituteur. Et donc, pendant 2 ans, c'était le pied total, comme on dit, un kiff de folie. Donc, j'ai vraiment eu un plaisir immense d'enseigner. Et quand je suis arrivé, je me rendais pas compte, mais j'étais censé être missionnaire, hein, il paraît. Bon, je n'avais pas ça en tête. Et en fait, c'est l'arroseur arrosé. En fait, j'ai été missionné. Donc voilà, il y a déjà cet échange-là. Et donc, cette place à l'imprévu, elle était là. Quand ça m'est tombé dessus, comme je disais tout à l'heure, et je me souviens, j'étais dans la case du pasteur Veil, qui était un pasteur étudiant à la faculté de théologie de Fianarantsoa, qui m'avait invité chez lui, dans sa case. Et puis un matin, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit, voilà, ça c'est la vie, quoi, c'est Dieu. Et donc, c'est là que j'ai demandé la confirmation par lui-même. Eh bien, je pense que cet imprévu, il est fondamental et je te rejoins parfaitement, Salomé. La place à l'imprévu, c'est aussi la place de la rencontre. Tu as beaucoup pleuré tout à l'heure parce que tu étais très ému. Moi aussi, j'ai beaucoup pleuré, mais quand je suis monté dans l'avion pour rentrer en France, parce que je ne voulais pas rentrer, mais j'étais contraint par différentes raisons. Je ne voulais pas rentrer parce que j'avais, bien sûr, bon, j'avais mes parents en France, auxquels je suis évidemment très attaché. Et il se trouve qu'à Madagascar, je suis tombé sur une famille. Et en fait, j'étais un peu adopté par la famille de ma directrice. Parce que cette dame, à l'époque, avait un fils qui avait le même âge que moi. Elle se disait, mon Dieu, mais le voilà complètement paumé, ce Philippe. Et j'étais paumé, hein, 3 semaines. 3 premières semaines, je ne savais plus où j'étais. J'avais perdu tous mes repères. J'étais d'une tristesse infinie par rapport à la pauvreté que je découvrais, dont on m'avait parlé, mais j'étais mal préparé. Et je ne voyais pas toutes les belles choses. Je voyais que la pauvreté, le dénuement total, enfin bon. Donc j'étais vraiment très, très, très mal en point, sans doute déprimé, enfin, même dépressif, je pense. Mais je ne le savais pas. Et cette dame, ma directrice, se disait, si c'était mon gamin qui était à l'autre bout du monde, seul, comme ça, qu'est-ce que je ferais? Et donc, elle m'a invité à dîner chez elle. On a commencé à lier contact au-delà de l'enjeu, enfin de la relation professionnelle, évidemment. Et puis, on a appris à s'apprécier et on s'est trouvé, quoi, finalement. Elle et sa famille, son mari, ses enfants. Et il faut laisser de la place à l'imprévu parce que si j'avais jamais imaginé organiser mon séjour de 2 ans, ça ne se serait jamais passé comme ça s'est produit.
à travers toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et puis jusqu'un jour où je n'ai pas pu assurer mon cours, j'enseignais le français, les maths et l'allemand. Et puis je ne pouvais pas assurer un cours d'allemand, pour je ne sais plus quelle raison. Et donc j'ai prévenu ma directrice à l'avance pour lui dire « Écoute Floul, je ne vais pas être disponible ce jour-là pour mon cours, mais ce n'est pas grave, je vais trouver un remplaçant. » Et elle a trouvé une remplaçante, qui est sa fille, et qui, de fil en aiguille, est devenue mon épouse. Et donc, c'est Eva. On est mariés depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est aussi l'imprévu. Parce que là, quand je suis parti, c'est clair que je n'avais pas du tout prévu ça. Enfin, voilà, je n'avais rien imaginé en particulier. Et c'est pour ça que c'était aussi difficile, et que les pleurs, c'était quand je me suis monté dans l'avion pour rentrer, parce que je quittais tout ça. À l'époque, Eva n'était pas ma femme, et on ne se connaissait pas. Enfin, on ne se fréquentait pas. Et voilà. Et il y a eu cette allée. Et pourquoi je parlais des mages tout à l'heure? Parce que il y a eu un retour. Et donc, je suis rentré, vous l'avez compris, par un chemin complètement différent de celui par lequel j'étais allé à Madagascar. Et au retour, en fait, j'étais tout aussi largué que quand je suis arrivé. Les trois premières semaines à Madagascar, c'était la même chose. Les trois premières semaines en France. Et peut-être Salomé et les anciens envoyés qui sont ici présents ont vécu cela aussi, c'est difficile de parler d'une expérience qui est unique à des gens qui n'y comprennent rien puisqu'ils ne l'ont pas vécu, et c'est normal. Inversement, les Malgaches, quand j'arrivais sur place, ne pouvaient pas trop s'imaginer ce que je pouvais vivre parce qu'ils ne l'avaient pas eux-mêmes vécu. Et fort heureusement, j'ai été accueilli par le réseau des anciens envoyés en Centrale Perrault, les anciens envoyés du DFAP, qui s'occupait de l'atterrissage de ces pauvres envoyés complètement largués quand ils débarquaient en France, ceux qui habitaient en région centrale Perrone. Et heureusement qu'ils étaient là, parce que c'était une oreille très attentive, compréhensive. Et en fait, ce réseau des anciens envoyés en centrale Perrone était logé dans la paroisse de la Sarra, à Oullins, dans la banlieue de Lyon, et qui était à l'époque, c'était le pasteur Guillaume de Clermont qui s'occupait de le pasteur Dupeux. Et c'était sa femme qui avait lancé ça, qui était d'anciens envoyés, donc ils étaient sensibilisés à la mission. Puis est arrivé ensuite le pasteur de Clermont, qui lui aussi était un ancien envoyé en Afrique de l'Est, à Djibouti, et sensible à la mission. Et en fait, tout naturellement, je suis rentré dans cette paroisse, et j'y suis resté plus de 20 ans, conseil presbytéral, simple paroissien, voilà. Et donc, ce qui n'existait pas pour moi, c'est-à-dire la vie de paroisse avant de partir à Madagascar, est advenu. Et donc, j'ai découvert l'Église, en l'occurrence à l'époque l'Église réformée. Et donc, j'ai entendu tout à l'heure, pour recevoir, il faut donner. Alors, je ne sais pas ce que j'ai donné, mais j'ai beaucoup reçu, et notamment la grâce de Dieu à Madagascar et la vie communautaire en rentrant en France. Voilà, il y aurait plein de choses à dire, mais effectivement, pasteur Noubassou le connaît, c'est difficile en 15 minutes d'être... Je ne peux même pas résumer, donc je vous ai fait quelques éclairages comme ça, en pointant ce qui me paraissait intéressant de partager avec vous à travers cet échange. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci infiniment pour ce partage. Et on pourrait peut-être imaginer un nouveau slogan pour le DFAP, la mission « Attention, ça change la vie ». J'ai l'impression dans les trois témoignages qu'on a entendus ce soir, il y a vraiment de ça, un changement de direction avec cette expérience. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu veux nous dire s'il y a des questions pour Philippe ou pour Laurent? Alors, déjà, juste une remarque, le slogan « Les échanges, ça vous change » a déjà été utilisé par le DFAP. Donc, c'est vrai que c'est... Mais on peut le renouveler. Alors, une question, je ne sais pas exactement à qui c'est adressé, parce que c'est une question qui porte sur le corps pastoral. Alors, je vous la livre telle qu'elle est. C'est une question qui porte sur le fait que depuis quelques décennies, en gros, les envoyés qui partent, en gros, ne sont plus des pasteurs. Est-ce qu'il n'y a pas là une mine qui est inexploitée? Alors, je ne sais pas si c'est une question posée à Philippe Généra ou si c'est une question posée à Laurent Loubassou. Je ne sais pas qui se sent le plus inspiré à répondre. Ça peut aussi être une question dont le DFAP va s'emparer et puis réfléchir
à ce qu'on peut en faire. Ça peut être Ah, très, très alors là, intéressant. c'est d'accord. C'est une question à Laurent Loubassou. Voilà. Très bien. Laurent, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Je vais essayer. Voilà, donc... Remettez votre caméra. Ah oui, c'est vrai. Merci. Voilà. Parfait, merci. Bon. Bon, déjà que j'apprends que les envoyés finissent par ne plus devenir ou devenir pasteur. Là, je n'ai pas bien compris. Non, non, la question telle qu'elle était posée, il me semble, c'est que, en gros, les envoyés qui partent, ce ne sont plus des pasteurs, mais des laïcs. Ah, d'accord. Bon, mais écoutez, l'essentiel, moi je trouve que l'essentiel, c'est que ce soit des personnes qui se sentent appelées à être envoyées pour accomplir une mission, qu'ils soient pasteurs ou pas. Hein, voilà. Nous avons écouté le témoignage de Fels, je crois que c'est ça. Salomé. Salomé. Mais voilà, elle n'est pas pasteur, mais voilà, elle accomplit une mission. Donc pour moi, pasteur ou pas pasteur, ben, quand on se sent appelé, on répond à l'appel et on va en mission. On a aussi un petit bout de témoignage de Thomas qui nous dit « Je peux dire que mon expérience d'envoyé a profondément modifié ma manière d'être pasteur. » Des pasteurs qui sont transformés aussi parce qu'ils vivent en mission. Voilà. Et je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est que ça fait très longtemps qu'il y a des statuts différents et il y a toujours des envois de pasteurs, effectivement, même s'ils sont moins nombreux que les envoyés laïcs. C'est une tradition du DFAP qui continue de faire aussi des envois de pasteurs. Est-ce que nous avons d'autres remarques, d'autres questions? Parce que sinon, on peut continuer. Je voudrais donner ensuite la parole à Eline, qui nous parlera de la récolte des témoignages notamment. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière remarque? Non, pas pour l'instant. Alors? Très bien. Écoutez, en tout cas, vraiment à tous les trois, un grand, grand, grand merci de vous être prêté à cet exercice. C'est vraiment une joie de vous entendre. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai bientôt et de continuer cette discussion. Juste pour préciser, ces témoignages sont enregistrés et donc seront disponibles sur le site du DFAP, seront peut-être diffusés par Fréquence Protestante sur la région parisienne et sur leur site web. Donc, vous pourrez les réentendre tranquillement. Très bien, merci Jean-Marc. Je voudrais maintenant donner la parole à Éline Ouvry, qui va nous parler de la collecte de ces témoignages pour le cinquantenaire. Éline, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui. Super. Alors effectivement, vous pourrez réécouter ces témoignages à la radio, mais aussi sur le site internet, parce que ces trois témoignages faisaient partie des 50 autres, enfin des 50 témoignages qu'on a collectés pour ce cinquantenaire. Et donc parmi ces 50 témoignages, on a vraiment une diversité de témoins. Il y a des gens qui sont partis avec le DFAP pour différentes missions, des missions longues, des missions courtes, et puis pour différents statuts. Il y a des témoignages de gens qui sont venus aussi avec le DFAP, notamment pour des études, mais pas que. Il y a des témoignages de chercheurs de la bibliothèque, des témoignages d'anciens envoyés, des témoignages de personnes ayant vécu le passage de la SMEP au DFAP, et c'est vrai. Il y a un enfant de missionnaire qui a témoigné aussi, un pasteur qui organise souvent des camps et qui fait visiter le DFAP à ses jeunes et qui loge au DFAP. Et il y a même aussi un témoignage d'une jeune d'un foyer où sont envoyés des envoyés dans ce foyer. Donc voilà, donc il y a une grande diversité des personnes qui ont témoigné, de gens qui sont en lien avec le DFAP d'une manière ou d'une autre, et qui ont tous témoigné de la manière qui leur correspondait le plus. Donc certains ont écrit un article, d'autres ont fait un dessin, d'autres ont chanté, et puis d'autres ont répondu sous forme de podcast. En répondant à des questions.
Donc, tous ces témoignages sont disponibles sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis je tiens à remercier vraiment tous ces témoins, et je vois que donc il y a les trois dont je parlais qui ont parlé aujourd'hui, mais j'en ai vu plusieurs aussi là dans l'assemblée. Donc merci à tous d'avoir accepté de témoigner. Alors j'ai essayé de sortir quatre mots moi qui m'ont marqué après avoir récolté tous ces témoignages. Ces quatre mots sont ouverture, confiance, formation et accueil. Ouverture, parce que ben, vous l'avez entendu dans ces témoignages aujourd'hui, toutes ces expériences ont changé ces personnes qui sont parties ou qui sont venues. Ça leur a ouvert les yeux sur le monde, sur des valeurs différentes, sur des compréhensions du monde différentes. Je me souviens notamment d'une personne qui me disait qu'elle avait très envie de partir, mais qu'elle se disait, elle priait, elle disait « s'il te plaît, pas la Tunisie, enfin pas les pays maghrébins ». Et puis petit à petit, elle a réfléchi, et puis en fait, elle a osé aller là-bas, et voilà, elle a dépassé ses préjugés, ses a priori, et puis finalement, maintenant, elle y vit depuis plusieurs années, et elle y reste, quoi. Donc voilà, donc il y a plusieurs changements de vie comme ça, et puis aussi de manière de voir le monde qui traverse ces témoignages. Le mot confiance, parce que j'ai entendu plusieurs fois dans les témoignages des gens qui disaient je remercie le DFAP et puis les églises qui m'ont accueilli ou les églises qui m'ont envoyé pour la confiance qu'ils ont eue de me laisser aller moi en tant que jeune ou moi en tant que ignorant de cette culture. Voilà, donc cette confiance qui est accordée et en même temps cet accompagnement qui permet d'y aller aussi soi-même en confiance. Le troisième mot, c'est formation. Ce qui est amusant, c'est que quel que soit l'âge des témoins, la plupart m'ont parlé de la formation avant de partir. Et donc du coup, je me suis dit que c'était quand même un moment fort. Et puis moi-même, l'ayant vécu, comme j'étais partie en Égypte, ça a été un moment très fort avant le départ, où on se pose plein de questions, on peut partager et on crée aussi des liens avec les autres envoyés. Eh ben, j'ai senti à travers les différents témoignages que ceux qui sont partis il y a 40 ans comme ceux qui sont partis il y a quelques années ont trouvé important ce temps de formation. Et puis le dernier mot, et puis avec Laurent, on le remarque, ce mot accueil qui est si fort, à la fois pour les personnes qui sont arrivées au DFAP, à chaque fois le mot accueil est ressorti, et puis aussi pour les personnes qui sont allées dans les pays et qui se sont vraiment senties accueillies par les églises locales. Voilà, donc ces quatre mots, moi, que je ressors de ces témoignages: ouverture, confiance, formation et accueil. Et alors, au-delà de ces témoignages, là, l'idée de ces témoignages, c'était de partager un petit peu différentes expériences. Et puis, on propose avec le DFAP un rendez-vous local dans les églises. Et donc, vous tous qui êtes ici, vous pouvez impulser ça dans vos paroisses. On appelle ça l'appel à témoins. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est que les paroisses accueil d'anciens envoyés pour avoir un temps de discussion avec, comme là on peut l'avoir, mais du coup au sein de la paroisse, pour se questionner sur tout ça, sur l'impact de la mission. Et donc ce qu'on vous propose, c'est que si vous êtes intéressé par cet appel à témoins, vous prenez contact avec nous à l'adresse cinquantenaire@defab.fr. Vous prenez contact avec nous et nous on regarde quels sont les anciens envoyés qui sont proches de votre région, et puis on vous met en lien, et puis après vous créez ensemble ce moment, soit lors d'un culte, soit lors d'une soirée. Là, certains qui ont pris contact avec nous vont faire ça lors d'une journée avec des animations autour. Et puis les animations qu'il y a autour, il y en a déjà disponibles qui ont été créées pour ce cinquantenaire. Il y a par exemple l'exposition qui retrace l'histoire du DFAP, qui est faite notamment par l'équipe de la bibliothèque, qui sera disponible en téléchargement en ligne. Et puis il y aura aussi une version qui circulera dans les églises. Donc ça peut être une manière aussi de voilà, on a un témoignage le matin, l'exposition à disposition. Dans les autres animations aussi disponibles, il y a l'escape game en version jeu de société, donc il y a un jeu notamment pour les ados mais aussi pour les adultes, qui sera aussi en version téléchargeable. Et puis il y a plein d'animations, il y a aussi des cultes qui sont tout près autour des verbes de la mission, avec le projet qui s'appelle « Dis-moi la mission ». Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces éléments-là sur le site internet. Alors l'escape game et l'exposition, ça arrivera en septembre, mais vous pouvez déjà voir tous les dossiers de 10 mois la mission là sur internet. Tout ça est réexpliqué avec une petite vidéo si vous avez besoin. Voilà. Parfait, merci beaucoup Éline pour ce partage.
Je voudrais vous dire aussi que on a prévu de vous envoyer par mail, alors j'espère que ça arrivera moins dans les spams que le dernier message, de vous envoyer par mail une sorte de questionnaire un petit peu libre où vous pourrez apporter voilà, des questions, des réactions à ce qu'on a vécu pendant ce cycle de rencontres du jeudi soir. N'hésitez pas vraiment à nous renvoyer ça. Nous, on en aura besoin pour imaginer à quoi va ressembler la suite. Suite il y aura, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais ce sera construit notamment à partir de vos réactions. Donc n'hésitez pas, vraiment, on sera toujours très heureux de vous lire. Et je voudrais maintenant voilà, passer la parole à Florence, Florence Taubman, donc, qui est sur le poste d'Animation France jusqu'à la fin du mois. Et puis, je voulais simplement te poser, Florence, une question très simple. Avec quelle conviction tu repars après ces 6 années passées au DFAP? Il faut que tu remettes ton micro, Florence. On t'écoute. Voilà. Bon, d'abord, je repars. Merci de me donner cette occasion. C'est un peu... Avant de partir, d'abord je repars avec beaucoup de reconnaissance parce que cette expérience de 6 ans au DFAP a été d'une richesse, d'une diversité extrême, puisque d'un côté il y a cette Animation France, la rencontre des églises locales, des uns, des pastorats, de tout le monde, et aussi une dimension internationale puisque sur ce poste il y a une responsabilité pays, et là j'ai eu l'occasion donc d'aller au Nicaragua et puis à Madagascar, donc vraiment beaucoup de reconnaissance pour toutes ces rencontres, pour toutes ces réalités différentes, pour les envoyés à Madagascar aussi que j'ai rencontrés quand je suis allée. Je crois que c'est le mot, la reconnaissance. Alors au niveau des convictions, je voudrais simplement dire que pour moi la rencontre interculturelle est d'abord une rencontre fraternelle et amicale. Je crois que ça, c'est essentiel. Et c'est une question aussi de désir, en fait. Le désir d'amitié fraternelle me semble être la clé. Alors, une fois que j'ai dit ça, et qui, bien sûr, nous rassemble dans la foi chrétienne, en l'occurrence, je veux parler quand même du respect des différences. Pour moi, le respect des différences, c'est avant tout le respect de la singularité de chacun, de chaque être humain. Alors, bien sûr, il y a la question de la culture, du contexte, de l'histoire, mais aussi de la psychologie de chacun, de la personnalité de chacun, la singularité de chacun. Je crois que c'est ce que le Christ nous a donné, hein, c'est ce que Dieu nous a donné. Je t'appelle par ton nom, toi. Et donc, chaque fois qu'on se rencontre, indépendamment des cultures, c'est cette singularité. Alors, juste pour dire que, je vais essayer de faire vite, parce qu'on est un peu en retard peut-être. Donc, la clé, c'est vraiment, c'est une double clé, c'est à la fois la parole et l'écoute. Donc, l'écoute, alors, est-ce que j'ai appris mieux à écouter? Je ne sais pas, je sais que je parle beaucoup, mais j'adore écouter, en fait. J'aime écouter les uns les autres et puis parler aussi, parce que je crois que ça, il faut aussi parler pour dire qui on est. Ça a été dit là ce soir, parler pour dire qui on est et puis inviter l'autre à dire qui il ou elle est. Donc vraiment pour moi la clé, c'est vraiment le récit, en fait le récit qu'on fait de sa vie. Il ne s'agit pas d'être indiscret et puis de faire du reality show où on se déballe, hein, c'est pas ça du tout. Mais le récit de son histoire personnelle, familiale, de l'éducation qu'on a reçue, et puis le témoignage de ses questions, de la foi, des questions de doute aussi, des questions aussi liées à l'épreuve de la souffrance, etc. Enfin, il me semble que ça, ce partage-là, c'est pour moi, ça reste la clé de mon ministère et puis de ma vie chrétienne, en fait. Hein. C'est-à-dire cette écoute et cette parole, ce témoignage partagé. Alors, voilà, il faut raconter des histoires. Et je voudrais juste, pour finir, alors, justement témoigner que j'ai été extrêmement touchée des témoignages reçus dans le groupe auquel j'ai participé quand il a été question
de l'individualisme et de l'éducation, vous savez, de la, justement cet héritage humaniste lié aux racines judéo-chrétiennes, et où dans mon groupe, on a surtout témoigné les uns les autres finalement du parcours qu'on a vécu pour nourrir, à partir de ce parcours, pour nourrir un désir de transmission et d'éducation vis-à-vis des jeunes générations. Et j'ai été très, très touchée de ce que les uns et les autres ont dit par rapport au cadre, le cadre familial, le cadre scolaire, le cadre ecclésial, avec les joies et les peines. Les uns et les autres ont dit aussi au sujet de ces rencontres qui sont offertes par la vie ou par Dieu ou par la Providence, on n'en sait rien, mais ces rencontres peut-être impromptues et qui font qu'en humanité, on se rencontre avec quelqu'un, et en général c'était avec quelqu'un qui était plus âgé et qui soudain vous éveillait quelque chose et donnait confiance. Et enfin, le troisième aspect qui a été souligné, c'était justement, et ça fait écho à ce qu'on a entendu ce soir, la chance d'avoir pu sortir du cadre pour justement aller dans un autre pays, dans une autre culture, dans un autre contexte, et là, soudain, découvrir le monde. Et vraiment, je pense que si on a une vocation et une mission à accomplir auprès des plus jeunes, c'est de multiplier finalement ces chances pour eux de pouvoir sortir du cadre et aller ailleurs, comme on en a eu le témoignage ce soir. Voilà un petit peu, voilà ce que je voulais vous dire, en fait, voilà. Mais écoute, Florence, merci, c'est magnifique. Moi, je prends ça aussi personnellement comme un envoi sur le chemin avec cette idée de se raconter des histoires pour se laisser aller à l'imprévu. C'est vraiment important et je trouve que c'est une belle chute aussi à ce qu'on a entendu ce soir, ces trois témoignages. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les cinq, à vous cinq qui êtes intervenus ce soir. Et je donne maintenant la parole au président du DEFAB, Joël Dauteville. Joël, je ne te vois pas, j'espère que tu es là. Oui, il est là. Je te vois. Écoute, c'est toi qui vas faire la fermeture de ce cycle. Merci. Voilà. Micro, Joël. Voilà. Tout le monde, oui, tout le monde m'entend, hein? Oui, c'est bon. Oui. Ah, oui. Voilà, ben écoutez, j'ai souvent l'habitude de dire et de penser que le DEFAB, c'est un joyau des églises. Eh bien, aujourd'hui, on en a eu encore la démonstration très forte. Alors, je voudrais évidemment dire un immense merci à toute l'équipe de préparation. Je pense à Jean-Marc Boll, à Franck Lefebvre-Billet, qui sont ceux qui veillent à la bonne marche technique des choses, à toute l'équipe qui a préparé et suivi ces ateliers, à toi, bien sûr, Florence, parce que c'était des moments importants. Et tu passes maintenant le témoin, le bâton de témoin, à Pascal, et donc que je salue ici. Alors, Florence, comme on dit souvent dans plusieurs pays d'Afrique, nous te donnons la route, ce qui veut dire que tu as la route ouverte devant toi et que la bénédiction de Dieu t'accompagne jour après jour. Amen. Toi, Pascal, nous t'ouvrons, alors ça, il n'y a pas de dicton, enfin, pas à ma connaissance, mais nous trouverons la route pour venir au DEFAB et nous t'y souhaitons aussi beaucoup de bénédictions, bien entendu. Merci aux intervenants, je pense à Jean-François Zorn, Basile Zuma, Omer Dagan, Benjamin Simon, et puis à nos trois témoins d'aujourd'hui qui ont été vraiment, je trouve, d'un apport fondamental. Salomé Fels, Laurent Loubassou, Philippe Généra, merci beaucoup pour vos témoignages. Ils illustrent, de mon point de vue, ce qu'est au fond la mission, ce qu'on y découvre. Et je crois que c'est le chemin de Dieu que de nous permettre, c'est le chemin que nous donne Dieu de nous permettre de nous découvrir soi-même, les autres, à travers ces rencontres. Alors, Pascal, tu m'as dit que je voulais faire la fermeture de cette session
On m'a demandé de dire une parole conclusive, mais je refuse de dire une parole conclusive ou de fermeture qui serait comprise comme, au fond, la conclusion d'un livre qu'on referme et on passe à autre chose. Ça, je refuse de dire une parole comme ça. En revanche, je dis que les ateliers doivent se poursuivre parce que la mission est toujours en chantier. Et le chantier est grand. Le défi à relever est immense. Et peu importe l'importance de ce chantier, ou que ça nous fasse peur ou pas, mais en tout cas, c'est toujours Dieu qui donne son dynamisme à son Église et qui continue de lui confier sa mission à nous tous, qui que nous soyons. Alors, lors d'un atelier, je voudrais dire un petit peu ce témoignage, lors d'un atelier, c'était suite un petit peu à la conférence de Jean-François Zorn sur le mot de mission, etc. Et je me rappelle Jean-Luc Blanc qui avait évoqué cette question, mais qui était reprise et qui avait été dite déjà avant lui, c'est que le mot mission n'est pas facile à utiliser aujourd'hui dans l'Église en tout cas, et il se demandait, Jean-Luc, si on ne devrait pas utiliser le mot Église universelle. Et alors du coup, ça m'a fait réfléchir et je me suis rappelé que les chrétiens, très tôt, déjà à travers le symbole des apôtres, apparemment qui aurait été rédigé dans les années 100, déjà très tôt, les chrétiens confessent et croient que l'Église est universelle. Et je crois que les trois témoins, plus tout ce qui a été vécu au sein de ces ateliers de la mission et tout ce que les gens ont pu vivre dans les rencontres, etc., évoquent cette question de l'universalité de l'Église. Bien sûr que la manière de comprendre, de penser l'universalité est toujours en évolution. Hein. Et d'ailleurs, les ateliers ont montré comment le monde a tellement changé, comment, déjà au cours de l'histoire, et puis tous ces derniers temps, on a l'impression que le monde change beaucoup, à tel point que cette universalité prend des reliefs particuliers à travers des mots comme interculturalité, échange, ouverture, rencontre, etc. Théologie de l'invitation aussi. Alors, l'universalité de l'Église, elle se heurte aussi et elle est confrontée à d'autres manières de comprendre l'universalité. Est-ce que l'Église universelle ou l'universalité de l'Église est du même ordre que l'universalité de Zoom, de Google, des GAFAM, etc. Et puis, est-ce que l'universalité de l'Église n'a-t-elle pas aussi à prendre en compte d'autres universalités telles que l'écologie, par exemple? Alors, je voudrais juste terminer mon propos avec un propos qui se veut une parole d'ouverture. Et à partir des expériences de ces ateliers, de tout ce qui a été vécu aujourd'hui, je voudrais lire avec vous ce que le site du DEFAP dit au propos de l'Église, la dimension universelle de l'Église. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que ce site comprend énormément de choses, vous l'avez compris. Et je voudrais vous lire ce que vous pouvez trouver sur ce site. Je dis, confesser la dimension universelle de l'Église, c'est porter une vision et une espérance dans un monde de nivellement des différences dont le corollaire est le risque des replis identitaires, c'est affirmer le besoin de la rencontre et de l'interculturalité, c'est dire l'universalité de l'Église par-delà les différences culturelles, et dans un monde d'inégalités croissantes, c'est affirmer la nécessité de la solidarité. C'est avec ces mots que je voudrais nous renvoyer tous et toutes vers
ces ateliers en constante évolution pour accomplir ce très grand chantier de la mission de Dieu dans ce monde. Et encore un très très grand merci aux uns et aux autres. Bonne suite. Merci beaucoup Joël. Est-ce que tu as prévu une petite prière pour nous accompagner vers la sortie? Nous voulons tout d'abord te dire notre immense reconnaissance pour tout ce que tu nous offres à travers les échanges, les rencontres, la découverte des autres et finalement la découverte de nous-mêmes. Ton immense tendresse, ton immense confiance, tu l'as toujours pour ton Église, pour tes disciples dont nous sommes. Et parfois, nous ne sentons pas à la hauteur de la tâche, de la vocation que tu nous adresses. Et pourtant, tu nous fais totalement confiance. Notre monde aujourd'hui et nous-mêmes avons besoin d'entendre ta parole, qui est une parole qui ressuscite, une parole qui relève, une parole qui donne à voir, une parole qui donne à entendre, qui donne à marcher, qui donne à croire, à espérer et à aimer. Nous te prions pour que toute cette communauté d'anciens envoyés, de personnes en situation de retour, d'accueil, pour toutes les églises avec lesquelles le DEFAP est en partenariat, pour toutes les personnes que nous pouvons connaître, nous te prions pour elles et que ta bénédiction s'étende sur chacune et chacun d'entre eux et nous accompagne tous aujourd'hui, demain et à jamais. Amen.